Sindri, fais attention et reste derrière moi. Toi, sois là. Et reste derrière moi. Viens le fort. Écoute, est-ce que je peux dire... Non, tais-toi. Bats-toi en silence. Viens le fort. Convaincu qu'on n'avait pas à être ennemis. Trud, tu vas bien? Mais ma mère avait raison depuis le début. Tu es un tueur exactement comme ton père et tu es là pour tous nous tuer. Non, juste Odin. Sindri, non! C'est une amie. Les amis n'amènent pas la fin du monde aux portes de leur maison, Loki! C'est vrai. C'est vrai. J'ai pris de mauvaises décisions. Ça t'arrive souvent, c'est une mauvaise excuse. Ce n'est pas une excuse. J'essaie juste de me rattraper. Est-ce que Skulder va bien? Tu as pu le voir? Pourquoi il irait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Odin a choisi de sacrifier les Midgardiens. Il les a mis le long du mur pour tenter de nous arrêter, les sachant sans défense. Il meurt dans le seul but de nous ralentir. Pourquoi il ferait ça? Et dis-moi pourquoi je devrais te croire? Parce qu'il a raison. Il dit vrai. Odin est ainsi. Et ce, depuis toujours. Mère, que fais-tu ici? Qu'est-ce que... Il sacrifiera n'importe qui se mettra en travers de sa route. Les Midgardiens. Ton ami. Notre famille, même toi et moi. J'espérais que ton père lui aurait tenu tête, mais à présent, c'est à toi de le faire. Mère, je ne comprends pas. Trud... Je n'ai jamais douté que tu deviendrais la plus grande des Valkyries que ces royaumes aient jamais connue. Mais pas pour lui. Est-ce que tu comprends?
notre famille. Sans Odin, nous pourrons en être une. Une vraie famille. Ce qu'il fait est mal. Il a dit que si on bougeait pas, tout irait bien. Qu'on lui devait bien ça. Tu ne lui dois pas ta mort. Sans blague. Père ne la laissera pas atteindre grand-père. Alors vas-y aussi. Toi, il t'écoutera. Es-tu prêt à aller retrouver tes semblables ? Oui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Enfin. Qui est la fille ? Bonjour, Trout Torse de Tyr. Torse de Tyr ? C'est mon ami. Trout, tu te bats bien ? Mon père m'a appris. Je veux le voir. Ouais, enfin, merci. Désolé, Kiss. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que le Ragnarok devait nous aider? Cette créature est inachevée! Ce qu'il en reste est incomplet et ne peut tenir sa promesse! Attention! Où est passé Sindri? Il a joué son rôle. Le reste dépend de nous. Attention! Thank you.
Sur ta droite, vite. Le grand pavillon, c'est là que nous devons aller. Notre plus gros problème. C'est pas honte. Retourne auprès de ta sœur. Vous devez retarder le Ragnarok. C'est mon combat. Mais je pourrais. Pars avec Atreus et le masque, ne vous retournez pas. Mon fils te fait confiance. Alors, moi aussi. Tu m'as de ma fille. Attends. J'en ai plus qu'assez de toi et de ton fils. On a suffisamment joué, toi et moi. Et cette fois, j'ai la permission de te tuer. Oh. Ce n'est pas nécessaire. Détrompe-toi. C'est ce qui nous sommes. C'est tout. Je peux continuer. Toi. Ça ne suffira pas. Thor, le petit est convaincu de t'accrocher. Trouve-le, mets fin à tout ça. Assez bavassé. Bats-toi et meurs. Réfléchis par toi-même, pour une fois. Ta famille a besoin de toi. Ne prétends pas me connaître. Tu as attaqué ma fille. Non, c'est faux. Je vous prends à mon foyer. Ma famille! Écoute-moi, ce que tu as à dire ne m'intéresse pas.
Savoir ce que tu attends. Ta fille et mon fils sont amis. Si tu lui fais du mal, je n'en ferai rien. Tu as oublié ce que j'ai fait. Non. Mais que vas-tu faire maintenant? On ne changera pas. Nous sommes des destructeurs. Plus maintenant. Pour le bien de nos enfants, nous devons être meilleurs. Pourquoi n'est-il pas mort? Vous discutez? Qui t'a demandé de faire la causette? Tu ne parles pas. Tu ne penses pas. Je pense, tu agis. Ça n'a pourtant rien de compliqué. Sif savait qui tu étais. Mais je refusais de le voir. Que se passe-t-il? Tu es malade? Je suis ton père. Prends ce marteau et tue qui je t'ordonne de tuer! Ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Non! Trude, tout est de leur faute. Ils s'en prennent à nous, à notre famille. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Votre propre fils! Votre petite fille! Pourquoi? On s'en sortira. Je l'ai sauvé. Et toi? C'est de ta faute. Tu l'as retourné contre moi. Tu les as tous retournés contre moi. Oh!
As-tu eu ce que tu voulais? Ton plan était-il vraiment meilleur que le mien? J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Non, pas encore. Presque. Croyais-tu être le seul à pouvoir lancer un sort d'obédience? J'ai passé des hivers entiers à m'imaginer ce que j'allais te dire quand je pourrais enfin te regarder et rendre ton dernier souffle. Mais maintenant, je réalise qu'il n'y a qu'une seule chose que tu dois savoir. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. Oh, c'est... cher Frigg, j'avais oublié à quel point les ailes t'allaient bien. Oh, mon époux. Tu as toujours eu soif de connaissances. Eh bien, je vais t'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Prosterne-toi devant ta reine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu le sais. Tu n'as jamais aimé personne. Tu as réussi, Loki. Non, non, non. Je ne veux plus me battre. Non. Tout ça n'a plus d'importance. Ton heure est venue, Loki. Groa a voulu me cacher ton existence, mais c'est ton destin. Champion des Jotnar. Lui seul peut revêtir le masque. Lui seul peut contempler l'essence de la création. Découvrir les secrets de la vie et de la mort, mettre fin aux doutes, à la confusion. Tu es né pour ça. Mets le masque, Loki. Vas-y. Pose-lui la question. Le choix te revient, mon fils. J'ai confiance en toi. Ça. Après tous ces efforts, tu as choisi de tout gâcher. Ah ! Comme tu voudras. À l'attaque ! Tu attends cela depuis longtemps, hein ? N'est-ce pas ? Mais moi aussi. Il est trop tard. Comment m'as-tu appelé ? Ça, c'est trop.
Utilise tes flèches. Je l'ai eu. Vous ne comprenez pas. Non. Ah, tu as tout gâché. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tout ce pourquoi j'ai tué. Je ne voulais que des réponses. Si tu avais joué ton rôle, rien de tout cela ne serait arrivé. Et tout ça pourquoi ? Réponds-moi, Loki ! Tout ça pourquoi ? Notre chance, Loki. J'aurais pu obtenir mes réponses. J'aurais pu connaître la vérité. Tu m'as tout arraché. J'aurais pu tout arranger. Nous aurions pu parfaire les 9 royaumes. Vous vous fichiez des royaumes. Et de moi, vous ne pensiez qu'à vous. Tu as tout détruit. Mon foyer, ma famille, mon royaume. C'est vous qui avez fait ça. C'était vos choix. Vous avez tué votre fils. Non, tu te trompes. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Vous devez arrêter. Choisissez d'être meilleur. Non, je ne peux pas. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. Je ne m'arrêterai jamais. Pourquoi avez-vous dit ça? Sofna. Apfra. Tessou. Sofna. Ethan. Sofna. 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 Faire de lui. Je t'ai promis que le choix entre la vie et la mort t'appartiendrait toujours. J'attends ce moment depuis tant d'années. Mais maintenant qu'il est arrivé, je n'en ai pas besoin pour me reconstruire.
Nous avons mis fin à sa folie. C'est tout ce qui compte. Voilà ce qui se passe ensuite. C'est le Ragnarok. Il est là. On doit y aller. Aller où, au juste? Vous cherchez une sortie? Comment? C'est un truc de géant. Allez, suivez-moi. Faites vite. Je dois y aller. Freya, il est temps. Suis-le, et tu arriveras exactement où tu dois être. Maman... Il revient à lui. Réveille-toi, Atreus. Réveille-toi. Contente que tu sois sain et sauf. Oui. Où est mon père? Quelque part ici, dans le bois. Il sera content de te voir. Merci, Eir. Maman, arrête, je vais bien. Silence. Trude. Loki! Je suis si heureux que vous soyez en vie. Vous pouvez pas savoir, je suis désolé. Thor était... Il a fait... de son mieux, vous savez. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Rien ne pourra soulager votre peine. Mais... j'espère que la mort d'Odin... vous apportera quelques réconforts. Tu n'imagines même pas. Loki, c'était un honneur de me battre aux côtés d'un géant. Sache-le. Allez-vous rester à Midgard? Pour un temps. Ensuite, il y a une chose que je dois retrouver. J'aiderai Ildisvini à guider les autres Asgardiens jusqu'à Vanaheim. Pour aider à la reconstruction. J'espère qu'ils pourront y prendre un nouveau départ. Et vous aussi. Oh, et toi, Trude, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne chance. À plus tard, Loki. Prends soin de toi. Ah!
Hugin s'en est sorti. Tant mieux pour lui. Oh, et si vous pouviez apporter ce bois à la tente de Brana? Skjöldr? Oh, Loki! Tiens! Content de voir que tu m'as pas oublié malgré le coup à la tête. T'as bien pris un coup à la tête. Tout s'est passé tellement vite, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ah, je suis content de te voir. Oui, moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde, et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Sans blague. Ah, et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais j'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Loki, c'est déjà bien. Merci, Skjöldr. Prends soin de toi, d'accord? Hé, hey, tu me connais. Pardon, je suis content pour toi. Mais il faut que j'aille voir si mon père va bien. Oui, oui, va le retrouver. Ah, le voilà. Un verre de plus pour le petit. Skål! Bravo! Skål! C'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et grâce au sacrifice de Freyr. C'est vrai. On était justement en train d'échanger nos propres histoires sur Freyr. Bien, bien. Où en étais-je? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés, je m'attendais à voir un guerrier. Un stratège. Un chef naturel. La légende qui précédait l'homme. Mais l'homme lui-même était bien différent. Et pourtant, il m'a convaincu. Il était tellement chaleureux. Qu'il ait été si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Ça suffit. Arrêtez. Vous allez encore me faire pleurer. Désolé. Je dois aller trouver mon père. Fais attention à toi. Contente que tu sois réveillée. Freya. C'était son choix. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Je ne l'oublierai jamais. La famille que je pensais avoir m'a été enlevée peu à peu. Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie. Ta mère avait raison. Tu as fini par maîtriser cet arc. Tu es un formidable guerrier. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'y ont rien changé. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu, Atreus. Merci. Merci pour tout. Il faut que je trouve mon père. Vas-y. Atreus! Oh, tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Content de te voir aussi, Mimir. Écoute. Je voulais te remercier. Ah! Oh. Tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit? Tu n'es pas juste intelligent. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. Et eh bien, tu es comme un deuxième père pour moi. Petit... Non. J'ai besoin que tu le saches. Je tiens énormément à toi. Je t'aime aussi, petit frère. À plus tard, Mimir. Il est bon de te voir ici, Atreus. Toi aussi, ils disent Vini. Et on est bien ici, hein? Aucun bruit. Aucun danger. Tu as été brave aujourd'hui, mon grand. Je suis fière de toi. On essaiera de trouver des petites gâteries. Allez. À moi. Qui sait, hein? Oui, on le connaît. Un jour, peut-être, j'arriverai à te surprendre. Oh! C'est déjà fait.
nous avoir sauvés. Je me suis dit que ce serait mieux si j'écrivais la fin moi-même. Tu n'as rien raconté à ton père, n'est-ce pas ? À propos de quoi ? Enfin, vision de géant. Je l'ai déjà vu. J'ai compris. Je sais au fond de moi que c'est ce que je dois faire, mais... mais je... je ne sais pas comment le dire. Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Et toi aussi. Je ne veux pas m'immiscer. Tu es concerné. Atreus, je suis heureux que tu ailles bien. Oui, toi aussi, père. Alors, comment se termine l'histoire ? Quoi ? Avant le Ragnarok, tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelée. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos pour qu'il puisse reprendre son chemin. Il n'était pas prêt à mourir. Il voulait continuer à vivre. Il y a beaucoup de fumée ici. Il semblerait qu'à la chute d'Asgard, des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Il reste peut-être quelques Einherjar dans les parages, mais... mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. Fresque à Jotunheim. C'est elle qui l'a détruite. Elle voulait nous cacher notre destin. Elle nous a forcés à tracer notre propre voie. Elle s'est dressée contre son peuple. Notre peuple. Pour vous sauver. Elle ne s'ouvre pas toute. Je suis désolée. Je dois te parler de quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs. Et il faut que je les trouve. Je crois savoir où chercher, mais... c'est ma responsabilité. Je dois faire ça tout seul. Je n'ai pas envie de le faire seul, mais... il le faut. Je ne saurais l'expliquer. Cela te fait-il peur ? Oui. Alors, c'est pourquoi tu dois le faire. Comme tu me l'as appris. Oui. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct. Qui croire ? Qui sont nos amis ? Thank you.
fils. Tu es prêt. Souviens-toi, notre promesse. Loki s'en va. Atreus. Atreus demeure. M'aiderez-vous tous les deux? Oui. Nous œuvrerons ensemble.